Oh, bah ça c'est trop bien hier, ça. Et bonjour YouTube et Twitch, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end, si c'est un week-end qui sort ces vidéos. Bref, du coup, on est reparti sur Tezo, on va faire un nouveau donjon, enfin un donjon qu'on n'a pas encore fait, la caverne d'ombre noire 2. Alors désolé, je suis en cours de téléportation sur mes camarades, mais il me semble que eux sont déjà dans le donjon. C'était pas prévu ça au programme. Ah du coup, vous pouvez saluer YouTube ou Twitch, hein, comme vous voulez. Hein. Ah, salut. Bonjour. J'ai essayé de faire une intro presque correcte pour une fois. Mais... Bonjour YouTube. C'est quoi le point lore du coup? C'est quoi le point histoire? Si t'as la quête, tu peux la prendre. Moi je l'ai pris. Ah. Mais attendez... C'est qu'à l'heure, on a pour curiosité d'être les mines aquaquois les plus connues de Deschan. Attendez, pour engager, qu'est-ce que ça va faire? Ça va engager. Ah oui, c'est la mine des quaquois. C'est les cacahuètes des elfes noirs. C'est un peu les ortolans des elfes noirs, ça, finalement. Je relance le PC vite fait, là, c'est un vol. Voilà, nous aussi on va prendre les quaquois et on va leur sucer le derrière eux aussi. Non oh non, c'est du caca de quoi, moi j'aime pas moi. Ah, on va faire comme Maïté. Hein. Maïté et Zortolon. Dans la bouche. Des tirs d'élite défunt contre. Ah, mais y'a un boss là. Un caca mouiche. Ah, tu veux faire le boss? Il y a un livre en plus à côté du boss. Oh. Ah, là, non, il y a un coffre. Ah du coup j'ai pas équipé mes épaulettes, je devrais peut-être les équiper quand même. Bah, oui, normal. Vraiment, là, ça bah, je sais pas laquelle des deux, j'ai non si je vais équiper celles qui font Magimax quand même. Équipe les deux. Je peux pas. Bah j'ai un bonus au soin du coup, de combien? De 4%. Équipe les deux, ça va être correct. Mais ouais, faudrait qu'elles soient en lourdes ces épaulettes là. Bon. Ah les légères. Bon bah du coup en attendant... En attendant que notre ami reconnecte, notre DPS connecte. Ah, ça fait longtemps YouTube, faudrait qu'on se trouve des questions récurrentes à se poser. Vous connaissez Maïté et les ortolans. Est-ce que vous savez ce que c'est un ortolan, d'ailleurs? Oui, je le dis. Ah, si vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube pour votre culture personnelle. C'est vraiment une super vidéo où on découvre les traditions françaises. Finalement, les valeurs culturelles de la France sont toujours aussi grandes et importantes malgré le temps. Voilà. J'essaye d'avoir un moment avec les gens qui regardent la VOD YouTube. Je leur demande s'ils savent ce que c'est un ortolan, est-ce qu'ils connaissent la gastronomie française finalement. Arc. Non, moi je serais à toi, je poserais la question. Crêpe ou. Gastronomie en France ? Crêpe ou galette ? Ah ouais, ça serait vraiment les vrais débats. Est-ce que vous appelez une galette ? Est-ce que vous appelez une galette une crêpe et une crêpe une galette? Est-ce que vous êtes des gens pas normaux vous aussi? Non, une galette c'est une galette quoi. Ouais, une galette c'est une gaufre, hein, voilà, hein, donc on y est. Voilà, c'est vraiment, il y a que les bretons qui peuvent avoir ce genre de débat. Hein. Les bas bretons et les hauts bretons. Quoi. Tout le monde sait bien que le cidre c'est belge. Ah oui, c'est du jus de pomme. Puis Mont-Saint-Michel, il appartient aux Normands, de toute façon. Oui. Oui. On leur laisse, hein. De toute façon, il coûte trop cher l'entretien, donc... Mais c'est pas pour rien que c'est l'un des... À dire que les Anglais sont battus pendant 100 ans pour les avoir. Bah, il a une position stratégique, le merdier, donc oui. C'est normal qu'il se batte. Le merdier. C'est bon, t'es parti? Bah moi j'attends. Moi je joue de la guitare. C'est bon. Jérôme. Ah, je suis trompé par deux sorts. Je pense pas de. C'est lequel le boss? Celui que je tape. Celui qui perd pas sa vie. Moi je fais la journée. Les ânes.
Il a disparu. Ah, il est sur toi. Oui, monsieur. Pas vraiment, là. Ah, mais c'est le boss qui... C'est le boss qui fait des flammes, là. Ouais, c'est... Ouais. Ça me fait rien. Ouais, moi aussi. Ça, ça frappe en zone, mais oui, ça, ça fait que dalle. C'est vrai que j'ai traîné un petit peu les parties, là, mais en tout cas... Bon. Ah, ce qui m'inquiète, c'est que je vois mon stream qui lag. Donc, la VOD, j'espère qu'il lagra pas. Oh non, normal. Oh. En HM, ok, là, je ferai pas ce genre de conneries, crois-moi. De toute façon, on va plus faire que des HM. Ah, il serait bien qu'on commence. Faire les. C'est beaucoup plus simple en fait de faire les indomptables en NM. Bien sûr, c'est juste pour rentabiliser le temps, clairement. Bah oui, c'est le but. Oh, c'est fun de les automiser, je trouve. Comme ça, je peux tester des spells, moi, donc ça m'arrange. Ah, faut que je monte des spells encore. Ah, pourquoi on va pas tous du même côté? J'ai juste été checker s'il y avait au fond. Moi, la coercition de ce groupe à chaque fois, c'est douteux quand même. C'était un putain de cul-de-sac et il y avait que dalle. Checker. Oh. Il y avait rien, il fallait que je regarde. Il pouvait y avoir un coffre, hein, qu'est-ce que t'en fais? Ouais, c'est sûrement encore moi qui me serais coltiné quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est les Dwemer quoi. Qui... Ouais, mais c'est Kouama, ils ont pris du Skouma, ils sont un peu vénères. Ah non, il y a des Dwemer maintenant. Pourquoi il y a des Dwemer maintenant? Les ruines Dwemer. Pourquoi il y a des Dwemer maintenant? Il n'y avait pas de Dwemer dans la première version. Oui. Oui, ils étaient à la fin. Lorsque là, bah, grosso merdo pour l'histoire, c'est les Windwhammer qui bougent, c'est tout. Comment ils peuvent bouger? Oh là là. Bah, leur putain de mecha, en moins de 9. Hein. Je me fais agresser par un Kouama, au secours. Ah bah j'aimerais bien moi faire un roleplay sous Skouma, mais bon. Mais je suis pas sûr que YouTube et Twitch seraient très pour. Ouais. C'est pas un outil de récupération, tu vois. Une popo, il va relancer tout le sort. C'est bon, j'ai posé ma rune aussi, mon heal. Alors lui, il faut le cutter, hein. Sauf quoi, il fait deux. Moi je veux juste un sac de vie quoi. Oui, c'est un sac à PV, pareil pour les deux AD que là je bastonne. Oui, ça fait pas de dégâts. Oui, mais les dégâts entre parenthèses. De toute façon, moi j'ai juste un pareil, c'est bon, j'ai mon boule qui est pour Detecteur qui fait le café. Allez, hop. Pourquoi tu me frappes moi, mes espèces de méchants? Ah, je suis désolé, je dois faire des échappes retours en fait, ouais, parce que sinon c'est bizarre, j'ai un bug avec Dao en ce moment sur le jeu. Il a dit que c'était mérité, il vient de me le dire à l'oreille. La vérité c'est que je vais peut-être le faire dans le cul, il va pas kiffer. Allez, c'est parti. Un peu claque, c'est très bien. Ah, moi je lui fais des 4500, c'est incroyable quoi. Ouais, là je fais du 20k là depuis tout à l'heure, c'est rigolo. Casque de l'automate. Allez. Ah, mais j'ai pas mis du poison sur mes armes, ah bravo. Moi j'en remets pas. J'en remets pas, j'ai un boost de feu. C'est interdit dans la game. Ah bonjour. Est-ce que ça m'aura servi? Il était temps que quelqu'un vienne nous aider. Oh, un robot chiotte. Alright. Il fait du curage au WC.
Oui, il nettoie à la vapeur, donc forcément. C'est la nouvelle monture dans Neverwinter. C'est Robot Chiotte. Robot-chiot. Non mais d'ailleurs, il va falloir que je joue à Neverwinter. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire en vidéo YouTube. C'est quand que tu sors ta prochaine vidéo du guerrier Death Tank. Parce qu'effectivement, j'ai fait ce genre de promesse un jour. J'ai dit que je la ferais. Donc faudrait que je la fasse quand même. Pourquoi tu mens à tes youtubeurs? Ah, je mens pas à mes viewers. C'est pour ça que je vais la faire dans la semaine, probablement. Ouais, mais fais ça quand on est pas là au matin. Oui, quand je travaille, moi, le matin, forcément, ça va vachement m'aider. Ça à 6h, quoi, avant d'être le hante-le. Oui, ça fout tremblement, tête dans le cul, sans mon café. T'as promis une vidéo. J'ai promis une vidéo de merde. C'est bon, t'as ta vidéo. Hein. Ah ouais, mais voilà. Non, mais j'ai juste à monter un peu mes enchantements et tout, à mettre 2-3 pièces de stuff, c'est bon. Finalement, ce qu'il faut savoir pour jouer à Neverwinter en tank, c'est d'avoir 500 000 de vie et de caper dans ses stats défensives, et c'est bon quoi. C'est caca. Parce que si t'as pas 500 000 de vie dans le nouveau donjon, bah le boss il te défonce ta gueule quoi. Ah, vous êtes chiant, arrêtez de me. J'en ai marre de vous soigner. Ouais, bah ça va, je prends un peu de dégâts, ça change un peu. Moi je me soigne. Arrêtez de mourir, s'il vous plaît. Non, mais ça, on peut pas malheureusement, c'est pas possible. Pour tes viewers, c'est obligatoire qu'on a. Mais c'est des boss. Oui, c'est des boules. Transmuté. Je crois qu'il kiffe pas trop mon ulti. Bah surtout je viens d'activer la synergie donc ouais ça va. Parce que j'ai vu leur batte de vie quand même sacrément descendre. Hein. Bah ton explosion je suis du 20k, enfin elle proc en crit donc ça vaut. C'est bien, moi j'ai que des AOE donc ça tombe très bien quoi. T'as enfin un boss où je fais presque semblant d'être utile quoi. Indomptable niveau 5. Yeah. Champion 203, yay. Allez, ça y est. Je te rattrape, David. C'est bon, je te rattrape. J'allais dire la on la frappe uniquement quand elle est. Non, mais laisse la Netch tranquille, oh là là. C'est le boss. Mais il est. C'est quoi ça? Faut que tout, c'est une Netch qui peut. Un réacteur dans le nucléaire dans le cul. Ouais, bah oui, il a un réacteur nucléaire dans le cul. Et lui, il faut frapper. Allez, le sol, les odds. Frapper le Netch le uniquement que quand il est au sol. Ada, incoming. Quand il est au sol, non, pourtant ça sert à rien de le frapper. Il fait pas de dégâts. Normalement, il peut arriver au sol maintenant. C'est bizarre. Pourquoi tu le frappes? Ça sert à rien. C'est lui, on tire un peu de. C'est pour le plaisir des nerfs. Ah là, allez, il est au sol. Go. Mets les 20% des AOE. Allez hop. Maintenant. Allez, c'est tout. Allez. C'est dans le geste. Tu sais pas, moi je lui mets des dots et je tape quand même. Hein. Ah, c'est 100 qu'il faudra pas faire plus tard. Ouais, mais y'a plein de mobs à tuer. Ah, j'ai que des AOE donc ça va. Hein. T'as à peine un boss relou quoi.
Ah, il fait un peu mal quand même. T'évites son AOE, c'est tranquille au final. Bah, même son AOE me one shot pas, mais bon, quand même. Et si on laissait tous les trash mobs nous défoncer la gueule? Ça sent pas une bonne idée. Tu auras pas maintenant. Et là, avec ton finisher, tu fais pas mal. Bah, j'ai pas pu. Je peux en balancer que deux qui ont proc 15k. Oh. Oh, bonsoir à toi, Kali. Oh là, désolé. Je vois mon stream qui lag en même temps. Il faut quoi pour armes? Pour les deux armes, cache collée, pas la classe du tout. Alors moi en templier heal, je joue bah du coup je joue à la fois bâton de destruction pour pouvoir faire un peu de dégâts, et sinon je joue bâton de restauration. Tout simplement. Pour les bonus. Enfin pour les bonus du bâton de restauration. Les bonus du bâton de destruction pour les dégâts aussi. Encore plus d'AOE. Il est mort. Je le reste. J'en ai plus. Je finis. Je raise. Oui, bah oui, c'est ton rôle. Voilà, chais. Même pas, tu te relèves. Ah. Après, je suis pas non plus. Voilà, je suis pas non plus le plus gros joueur de Templier du jeu, clairement pas. Ça fait quoi? Deux, trois mois que j'ai commencé à jouer au jeu. Que les monstres sont agressifs. Mais ouais, sinon, Templier soin, j'ai quoi? Là, à l'heure actuelle, là, j'ai le début de mon stuff, tu vois, je suis à 203 points de champion, donc c'est pas beaucoup. Mais en équipe, j'ai quoi? C'est le lore. J'ai des bâtons de, ouais, bâtons de rétablissement et bâtons de foot de Toru, du pack de Toru. Parce qu'il y a un set acceptable pour le début de jeu, quoi. Facile à crafter, pas cher. À terme, j'aimerais avoir autre chose. Et sinon, je te conseille. Qu'est-ce que je conseille? Bah, je te conseille les sites de Alcast, entre autres. C'est pas mal, t'as pas mal d'informations. Pour nouveaux joueurs ou même joueurs confirmés. Sinon, t'as la chaîne YouTube de Vanahir. C'est Vanahir. Qui est une joueuse aussi. Bon, après, tout ça, c'est des chaînes anglophones. Du coup, tu vas peut-être. Oula. Il y a beaucoup. Pourquoi vous. Qu'est-ce que vous avez foutu là? Alors, on dit GG au tank. Magnifique. Moi je peux pas. Ah ouais. Ouais, mais bon, vu que tu n'as pas monté ton aggro. Oui, mais c'est de ma faute. C'est tout, hein. C'est pas grave. J'ai essayé de survivre. Je peux pas. Tu vois, je vous maintiens en vie. Il est un peu en mode body pool. Pas en mode kiter, pardon. Il est en kite, donc. Bon, il va mourir. Ah ouais, elle a trop. Allez hop. Parce que c'est considéré comme un boss, en fait. Ah, mince. Eh bien, tant pis. Voilà, ce qu'il faut pas faire, c'est bien. À chaque fois, c'est bien, c'est on le fait en vidéo YouTube ou quand il y a quelqu'un sur le strip, c'est bien. Surtout, en fait, il l'a fait sachant que t'étais pas derrière. C'est tout, tant pis. Et sinon, qu'est-ce qui est pas mal aussi au niveau des races en soigneur? Il y a Breton. Breton, c'est pas dégueu pour soigner. Argonien. Allez, j'attends, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme race qui était pas trop dégueu? En vrai, les deux. Ça va, est-ce que j'ai body pool comme un connard? Désolé. Oui, non, c'est. Ça, je comprends pas. Alors, non, mais j'ai pas fait exprès de body pool. Non, je prends la table. Body pool, c'est quand tu vas chercher au contact. C'est ce que j'ai là, fait. Là, t'as juste cool. Mais c'est tout. C'est tout. Mais c'est catastrophique parce que si vous faites ça. T'as vu. Non. Mais j'ai bien vu là, juste avant. Oui, bah ça c'est parce que. C'est de ma faute maintenant.
Bah, alors déjà, t'as dit toi-même que c'était de ta faute, déjà ça. Ça tu retiens ça. Mais surtout, en vrai, sans que bah Cléa soit là. Enfin, en vrai, moi aussi, je me considère pas vraiment comme un genre très expérimenté du jeu. Donc en vrai, j'aime bien partager des informations quand j'en ai, quoi. Et surtout, t'as été faire du body pool sur tout le truc, et ça, c'est dangereux. Ah putain, ça par contre, c'est chiant ce bug. Enfin, je sais pas si ici, si, je dois avoir un, à mon avis, je dois avoir un souci au niveau de mes touches. Parce que des fois. C'est moi qui suis mort instant. C'est pas clair. Hein. Pour positionner des zones. Je suis pas mort instant. Non, mais c'est moi qui ai quasi été mort instant. Mais fallait voir le nombre de zigots que tabassé. On en avait quoi? Deux? Deux fois 10? Non, pas 10. Moi j'avais tous les arbalétriers sur le coin de la tronche. Allez. Allez, on s'en occupe. Faudrait la fontaine vampirique, ça peut être pas mal. Parce que là, comme tu peux, je sais pas si c'est encore là, Kali, mais là tu peux voir, bah en vrai, là par exemple dans les petits donjons, j'ai pas non plus une fonction où juste je spam mes sorts de soins quoi. J'ai un mélange entre je dois affliger des dégâts et je dois soigner quoi. Mais en vrai, j'ai voilà, dans ma barre de soins, j'ai un gros sort de soins, un sort de soins sur la durée. Un sort de bouclier et un sort de buff quoi. Alors je prends l'hôtel de sang. Il y a un livre à lire là au cadavre. Cléa ici, regarde, il y a un livre. Attends, mais j'ai oublié un livre derrière, je crois. Oh, c'est pas possible. Non, c'est bon, j'en vois pas, j'en ai pas vu. Oh, je rate tout à l'heure. Alors, ah oh, putain, je le déteste ce boss, même en normal il est relou. Va y avoir des adds, il faut s'occuper absolument. On l'a fait hier soir, il faut juste rester bien réglé. Ouais, il fait une poison nouveau au centre. Qu'est-ce qu'il y avait la grosse araignée là? C'est juste ça qu'il faut faire. Hein. Oh oui, il quand même. Poison, mais c'est, moi, c'est les ads en fait à distance qui sont relous pour moi. C'est... J'ai accroché le trophée au bout chez moi. Ouais, bah. Ça, ah bon, ça va pas neutraliser le poison du tout. Alors, il faut que tout le monde. C'est ça, moi j'étais sur ma manette. Hein. Moi aussi. Quelle manette? Donc, pourquoi vous expliquez pas les strats? Je viens de dire, quand il fait le poison, on bouge les manettes. J'ai dit poison tous au centre. Ah, mais on a pas réparti les manettes, voilà. Soyons. Moi je vais prendre à droite du coup. Moi je prends celle de gauche. Moi je prends celle où je suis à côté ici. Chacun retient sa manette. Ok, c'est bon, chacun sa manette. Évidemment, on l'a fait hier, on l'a réussi du coup. Sans doute, rien à vue. Ah non. Bon, allez, dis oui, hein. C'est vrai que j'ai dû vous ressusciter une carte. J'aime mieux être honnête que de mentir à ta carte. Allez. Chez. C'est bon le foie. Non, c'est poison ou non? Non, pas encore. Faut que je mette par terre, poison. Maintenant. Ah allez, mais j'ai appuyé mon levier. Ah bah... Eh bien Baroque, tu as le tâche sympathique de reste tout le monde. ça va me coûter cher en... Ah non mais tu restes moi et je reste les autres au pire. Ouais mais je vais résister à leur attaque en même temps. Hein. Ah mais tu restes personne. Là. Les plumes ont d'elle 200, merde. Dommage. Je crois que tu te fais flécheter par les sphères de Wimmer en plus là. Ah, il y a le rôle poison, je crois. Ah oui, je suis mort. Bah ouais, mais ça, si j'ai le poison, les flèches et tout, moi je sais pas pour vous ressusciter. Bon, la dernière essai. Vraiment, un boss où il faut vraiment être à distance. Quoi. Tout, je vais passer en bâton. J'avoue, c'est presque ça, hein. Faut rester à côté de ces trucs et t'attends. C'est bien, on monte enfin de la difficulté sur YouTube, c'est beau. Pour YouTube. En fait, faut juste être actif hein, sur son panneau. Hein.
Chacun va à côté de son pilier. Nemesis, Nemesis. Allez, vite. Voilà. Ah, c'est bon. Go. Ah, il est vraiment pas compliqué, hein. Oh non, mais bien sûr. Ah, mais faut se coordonner quand même, quoi. Vite. Ah non. Non, non, c'est bon. Fait peur. Et moi j'avais perdu mon pilier. Par contre, il y a des trashs à gérer. Hein. Là j'en gère un. Vite, pilier. Non, toujours pas. Mais. Il est relou. T'écoutes, hein, toi, tu dis n'importe quoi. Ouais, bah hein. Attends, il s'est couché, j'ai plus rien. Ah, mais c'est parce qu'il se couche, il pète. Ah, oh, c'est pas moi. Ah. On trouve un tanker et un paquet de bedel. De temps en temps, il prend un œuf. Là maintenant. J'ai fait. Qui tu lui as pas fait? J'ai fait. Bon, j'ai fait de la mienne, moi. J'en ai fait deux, du coup. Moi. Je le reste. Allez taper le boss. Mais c'est toi qui dois taper, c'est pas moi. Hein. C'est toi qui. Mais c'est toi le tanker, Baroquin. Prends l'aggro. Je sais pas, tape-le ou. Non. C'est même pas la peine de l'approcher, ce boss-là, pour frapper. Ah, mais il y a des trashs quand même à gérer au bout d'un moment, quoi. J'en ai 3 sur la tête. Ah, si on l'approche jamais, comment on le tue? Bah, il était encore à corps, Baroquin. T'as pas le choix. Hein. C'est voir le taper dans tous les cas, hein, pour toi. À 2000 points de dégâts. Ah, je le tape bien à 1800, donc bon. Poison. T'es sûr? Ah, je peux pas. J'ai pas si mon pilier, mon truc a eu le temps de s'activer le mien. Moi, oui. Moi, j'ai pas. Je l'ai activé. Ah, du coup, faut Rez. Nemesis, Rez, please! Je peux vous même pas. Mais t'es sur moi là! Je sais, mais je t'avouais pas, qu'est-ce que tu veux, je suis calé, c'est que ça! Et Cléa, tu le vois? Ne disputez pas, ça sert à rien. Si la chose y apparaît pas sur moi, je peux pas te raiser. Moi j'ai ressuscité quelqu'un là, normalement. Oui, il t'a rescueilli, hein, c'est bon. On va voir un soin, je sais pas où t'es. Hein. Y'a un hôtel, y a un hôtel dans ma position. Ah, y'a le poison. Utiliser les poisons, pilier. Je l'ai utilisé, celui-là. Oh, un resplit. Poison. L'activer. Sérieux là? On n'a pas, pas supposé avec chacun notre truc? Bah si, mais quelqu'un a fait le mien du coup. Parce que... Moi j'ai fait le mien. Hein. Non, t'as fait le mien. Bon, on va pas se battre tant que voilà, tant que c'est fait. Stay focus, Gareth. Possiblement poison. Non, c'est bon. Électrique. Ah, j'ai des sat sur la tête par contre, moi. Électrique. Par contre, faudrait que tu me gères les. Faut tuer les ZAD derrière, par contre, en vrai, par contre. Hein. Sinon, ils vont me cribler le cul. Hein. Ah. C'est les ZAD ou les boss? Allez, on fait un peu les ZAD. Tout le monde sur les ZAD. Moi, je vous colle. Allez, gaffe aux boss. Les ZAD, ils sont sur moi. Poison, 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 poison. Tout le monde a fait le CA. J'ai pu en faire deux. Bon, j'ai dit quelques ZAD ici. Un petit coup de prince, ça y est, la plus cool. Rouge. Je l'exec. Il n'y a pas un SMRO. Il n'y a pas de
Yeah, GG. Moi, oh, j'ai mis au mur chez moi. Ça va, first try quoi. YouTube, YouTube en est témoin quoi. Ouais. Oh, mais il est quand même relou. Il est chouette. Allez. Un arc d'automate. Chouette, hein, pour un norme. Ah yes, tu as un domptable en 5. Trop cool. Moi, du coup, je crois que j'ai gagné l'orbe nécrotique, enfin il était temps. Les indomptables, moi je suis niveau 8. Ouais, faut que je continue. Yeah, j'ai l'orbe nécrotique, cool. Du coup, qu'est-ce que je peux dégager ? Activer une compétence de synergie d'un allié vous rend 2% de PV, vigueur et magie coup. Ça. Ouais, j'ai l'hôtel de sang. Ouais, je vais le garder. Du coup, on a tout cassé, c'est bon, on peut partir. Donc le ciel nous tombe sur la tête. On va essayer de faire l'aléatoire, hein. Sauf si le... Ah ouais, c'est bien, on aurait vu un peu de challenge, quoi. Lancé, non, non, parce que la dernière fois, moi, je l'ai lancé et c'était direct. Ah, il y a un bouquin que j'ai raté, je vais chercher vite. Ah, mais attends, non, faut que je parle au PNJ pour aider la quête aussi. Robe du reliquaire Netch. C'est pas cassé parce que c'est hier ou avant-hier. Un coup parti. C'est cassé pas dégueu, pour certaines personnes parce que, justement, il y a des guildiens... L'autre guilde qui ont le même problème et qui me l'ont dit, ça fait apparemment 3 ans que la recherche de donjons a un problème. Oui, faut spammer comme un gros goret quand tu veux rentrer en recherche. Parfois non, parfois oui, c'est ça. Par contre, on tue les mobs ou pas là? Bah ouais, on va être obligé de toute façon pour ça. Quel mob? Où ça? J'ai l'hôtel moi donc ça. J'ai ouais pareil j'ai... ça va, attends, je peux encaisser un peu de dégâts quoi. Ah c'est vrai que l'hôtel je l'aime aussi, mais je sais pas quand l'utiliser à chaque fois en fait. Ah, son animation est longue mais en fait il y a la strat, tu lances l'animation et tu. Non tu peux pas switcher d'arme. Ah dommage. Je pensais. Il y avait un moyen. Il y avait un moyen de cutter les animations longues. Après je sais pas, je trouve le sort assez situationnel quoi. Bah, sur les packs d'AD, quand t'es fragile, c'est cool. Couper. Ah. Coupe. Interrompre, si tu préfères. Ah oui, tu cut. Quand on dit cut, kick. On dit cut, c'est. Et non, kick. Ouais, cut, kick aussi. Kick. Enfin, cut, c'est plus court donc. Hein. Kick. Et bah, cut, bah, c'est aussi quand tu veux couper un donjon quoi. Genre éviter des packs de mobs. Kick. Et il est où le bouquin que j'ai oublié? Elle est là, le journal d'Itissa. Ça. Ah non, c'est pas celui-là. Il y a un autre bouquin alors. Ah non, c'est un bouquin en dessous des escaliers, mais c'est vraiment pas ici. Hein. On en est loin de ton bouquin. Hein. Non, mais il y a un autre bouquin. Ouais. Pourquoi je le vois là? Je suis aveugle. Ça, c'est parce que c'est cassé. C'est... Non, tu l'as déjà pris ton bouquin en fait ici, mais. Comment servir l'œuf de quoi? Bah non, ça doit être une. Recette. J'ai mis. Comment on sert l'œuf de quoi d'ailleurs? Ah, yeah. Yeah. Oh, c'est horrible ça. C'est dégueulasse. Et encore, c'est pas les pires parce que, de ce que j'ai vu, la pire cuisine en termes de lore, c'est celle des elfes des bois. Parce qu'ils mangent des sangsues et des trucs dégueux. Non. Ils sucent des pissenlits par la racine. Ils mangent des racines et des larmes. Oh, c'était facile. Tu vois, en gros, tu vois les hommes préhistoriques. Ce qu'ils bouffaient, ce qu'ils buvaient et tout. Pas. Bah, apparemment c'est dans le même genre. Ok, bah voilà. Faudra que YouTube revienne la prochaine fois pour écouter cette histoire. Du coup, des bisous YouTube, j'espère que ce donjon t'aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine VOD. N'hésite pas à mettre des pouces bleus. Voilà, bisous bisous. Non mais on fait pas de la pub pour Twitch, pour YouTube, ça suffit hein, arrêtez. Vous êtes pas corpo, vous aimez pas votre boîte ou quoi.